L'été touche à sa fin et pour Noah Dupouille, la rentrée des classes approche. Bonjour papa. Hey, chou. Ça va? Ça va, t'as bonne mine. Sauf qu'à 12 ans, son école à lui, c'est l'école du surf. Ça a l'air top les vagues, hein? 1m20, 1m50. Pas de vent toute la journée et... Il y a de la période, hein? Ouais. T'as vu? Elle était haute à 10h50 et elle est basse à 17h05. Je pense qu'il va avoir des super vagues pour surfer. Allô Vincent? Salut. Ça va? Ouais. Bon, t'es motivé? Ouais, top. Super vague, hein. Donc, si t'es chaud, prends ta planche, appelle tes petits copains et retrouve-moi à la maison. Ça marche? Ouais, merci Vincent. La planche sur le vélo, Noah et ses potes traversent la petite commune de Mimizan pour surfer les vagues de l'embouchure. Ça va, Nono? Ça va, Vincent? Les vagues, c'est bien? On va aller surfer la gauche à l'embouchure. Noah partage la session avec le surfeur professionnel Vincent Duvignac, un ami de la famille devenu son coach au fil du temps. Et avant de se lancer, c'est l'heure de l'échauffement. C'est pas important pour pas se blesser. Si par exemple t'es pas chaud, par exemple tu veux faire un layback ou tu tombes en arrière, tu veux te redresser, tu peux vite te faire une déchirure. Mais si tes muscles qui sont chauds, il n'y a aucun risque. T'as mis un sacré reverser là. C'était grave. Hein, c'était ouf. C'était top. Ouais, c'était top pour faire des combos. Son point fort, je pense, c'est sa faculté à s'adapter rapidement à un nouvel endroit, un nouveau spot. Et Noah, c'est vraiment le surfeur qui va tenter vachement des figures aériennes. Mais après, techniquement, de façon, là, il a pas de gros défauts. C'est juste de parfois de la coordination qui manque, mais après voilà, va falloir qu'il continue à bosser physiquement en même temps que sa croissance va exploser donc à partir de maintenant. Comme de nombreux enfants de la région, Noah découvre dès son plus jeune âge les vagues de l'Atlantique. Il se trouve alors une passion dévorante et escalade les podiums des compétitions régionales dès l'âge de 7 ans. Très vite, Noah et son papa voyagent pour se frotter à de nouvelles vagues. Maldives, Canaries, des destinations qui permettent de surfer de grosses vagues que le kid apprivoise comme un chef. À 8 ans, le potentiel de Noah crève l'écran et il se fait vite remarquer. Mickey Picon, pilier du surf français et global manager d'une marque de renom, décide alors de le sponsoriser. On l'a vite repéré sur les compétitions landaises. Tout peut commencer à partir de 11-12 ans à être sponsorisé. Le 10 ans, c'est trop petit maintenant pour toi. On a fait sûr qu'il faut le 10 ans en décembre. Il a dit qu'il les attendait depuis ce printemps. C'est sûr qu'il les attend. Aujourd'hui, Noah récupère de nouvelles combinaisons chez son sponsor. Toutefois, le soutien de la marque va beaucoup plus loin. La marque est derrière lui, elle le supporte et lui montre qu'elle est là pour lui, pour le pousser à son plus haut niveau et l'accompagner à obtenir des titres nationaux et internationaux. Voilà, et aujourd'hui, si tu veux faire partie des meilleurs, il faut être bon dans tout type de vagues et dans tout type de manœuvre. Et donc on le fait voyager en hiver et aussi le confronter à d'autres jeunes de son âge qui sont au meilleur niveau aujourd'hui. C'est ainsi que la scolarité de Noah va prendre une toute autre ampleur à la rentrée.
Dans quelques jours, direction la Californie avec son père. Je vais aller en Californie à l'école pour un sport-études qui est pas comme ici. Oui, on surfe le matin avant d'aller à l'école et après. Et pour travailler mon anglais aussi et me faire des amis là-bas. Noah devra composer avec un programme chargé. Il ira à l'école américaine et suivra également les cours français du CNED. Quant à Kevin Lestrade, il assurera son soutien scolaire par correspondance. Un accompagnement adapté aux sportifs de haut niveau. Tu n'auras pas toujours forcément quelqu'un à côté de toi qui pourra t'expliquer. Donc là, il suffit simplement de le prendre en photo. Et une fois qu'elle a été envoyée, moi, je vais la recevoir par mail et je serai capable de la traiter. Il faut quand même de l'autonomie, il faut aussi un peu de volonté, il faut un peu de sacrifice, c'est certain, puisque c'est pas évident. Quand les copains ont du temps libre après l'école, c'est vrai que Noah, lui, va se retrouver certainement à faire un peu plus de devoirs, à faire les devoirs du CNED, etc. Ça rassure et donc voilà, on part. Moi, je pars serein. Je sais que je vais remettre la tête dans le programme de 5e, ça va me faire du bien peut-être. Je suis bien conscient que c'est une rentrée qui n'est pas comme les autres. L'objectif principal reste la scolarité, compréhension de la culture anglo-saxonne, se familiariser un petit peu avec les habitudes, les routines américaines, on va dire, parfaire l'anglais et à côté de ça aussi, faire beaucoup de compétitions aux États-Unis sur des endroits où il va être amené à en faire plus tard sur le circuit qualificatif. En plus de ça, on est à Huntington, qui est un endroit particulier. C'est vraiment des pôles d'attraction aux États-Unis pour le surf. Il y a des grands magasins, les médias sont là-bas. Donc il y a vraiment, vraiment une énorme émulation. Ce n'est pas un endroit, on va dire, plutôt sauvage comme Mimizan et le nord des Landes. Direction maintenant Euroglass. C'est ici que sont fabriquées les planches de Noah. Un lieu chargé d'histoire où trône la Coupe du Monde de Kelly Slater. Noah touche alors du bout des doigts son plus grand rêve. Christian Bradley vient de Tasmanie. Ça fait depuis que j'ai l'âge de 7 ans qu'il me shape mes bornes. What are we doing? We make two boards more. Okay. Well, this is the magic one, actually. I'm just gonna write it. Same one? Okay. And one more, but a little bit bigger. Okay, let's do that. C'est ma magic board et je vais la refaire un tout petit peu plus grande et plus grande pour mon voyage en Californie. Parce que celle-là commence un peu à être usée. C'est vrai. Au fur et à mesure des préparatifs, le grand départ approche. Cette rentrée ne sera définitivement pas comme les autres, pour sa maman aussi. Avant le grand départ, c'est beaucoup de tension dans la famille, parce qu'on n'aime jamais trop se séparer, même si on a l'habitude de le faire, on ne s'habitue jamais ni à l'absence, ni au manque. J'ai toujours du mal, c'est vraiment très dur. C'est comme si on me l'enlevait à chaque fois, donc à chaque fois quand il est là, je le dévore, voilà. Mais toujours très difficile. Mais tout ça, je le fais bien sûr pour Noah, quoi. Et puis je suis surtout en sécurité parce que je sais qu'il est avec son père et que son père, mieux que quiconque, veillera sur lui. C'est toujours un peu particulier le surf puisqu'on a des destinations qui vont se décider un petit peu au dernier moment. Et c'est vrai que depuis 2 ans, ça s'est fortement accéléré, puisque Noah est vraiment amené à passer beaucoup de temps à l'étranger, notamment sur les mois d'hiver. Je suis moniteur de ski à la station de Val Thorens. Là, depuis 2 ans, je ne monte plus. Voilà, donc c'est un gros sacrifice, financier. Et puis c'est aussi un sacrifice professionnel, puisque c'est un métier où je m'épanouis quand même vraiment. Donc je fais ce sacrifice-là, mais je passe aussi beaucoup du temps et je suis content d'être près de Noah et de le voir s'épanouir. Direction le club de surf de Noah, la Darrigood Surf School. Son coach et ami Arnaud Darrigad lui donne les derniers conseils avant le départ. Monsieur Noah, ça va? Ça va, gars? Bien?
Après, on commence à faire les derniers trainings avant son départ. Donc, on va essayer d'instaurer un programme pour qu'il continue à travailler sur certains axes sur lesquels on aimerait mettre les points. Il va falloir lâcher les chevaux, pousser plus fort les manœuvres, quitte à tomber, mais je vais devoir prendre des risques pour essayer d'améliorer, améliorer, améliorer jusqu'à la fin de la série. I can eat a pound and skip 64 quotas. Burn up fire and drown drops of water. Son, I told ya, got them bangs like Goya. Après une dernière session sur son spot, Noah va faire ses bagages pour la côte ouest américaine. Une terre mythique, berceau du freestyle et de la glisse, qui devrait permettre au prodige de prendre son envol. Une aventure pleine de promesses et d'espoir. J'ai envie de lui dire plein de bonnes choses pour cette année, mon fils. Voilà, ça va bien se passer. On va s'éclater, on va faire des belles rencontres, on va surfer des belles vagues. Et puis, on va sortir en parlant super bien anglais. Ça va être génial. I'm ready to go in California.